Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aujourd'hui aux monstres dans la pop culture. J'en profite pour remercier Monsieur Goodil, le producteur de l'émission, qui m'a invité tout spécialement de New Vegas dans ce magnifique décor construit au sein même de l'Atomic Wrangler. Les monstres et les créatures telles que nous les connaissons aujourd'hui sont entrés au panthéon de la pop culture. Mais comment cela a-t-il commencé ? Pour répondre à cette question, j'ai invité aujourd'hui M. Gilles Menegaldo, professeur de littérature et de cinéma américain. Bonjour Gilles et bienvenue dans l'émission. Bonjour. Merci. Vous êtes auteur de, je vous en prie, vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma américain, dont le cinéma fantastique. Vous avez paru dernièrement votre livre « La Hammer, laboratoire de l'horreur moderne » paru chez Le Visage Vert. Alors, les monstres ou créatures qu'on connaît dans le cinéma fantastique sont entrés aujourd'hui au panthéon de la pop culture. Mais comment cela a-t-il commencé ? À quand remontent les premiers récits où apparaissent la première fois ces créatures étranges ? Les premiers récits, alors les créatures étranges, si vous voulez parler, j'imagine, des vampires, de la créature de Frankenstein, de la momie, enfin, c'est ce qu'on va trouver dans les films hollywoodiens, du studio Universal en particulier, dans les années 30. Ça commence très tôt. Je veux dire, ça dépend vraiment des figures. Je crois que le vampire, comme on le sait, c'est une créature qu'on trouve dans toutes les cultures, hein, aussi bien en Grèce qu'en Europe de l'Est, qu'en Inde, au Japon, enfin, etc. Donc c'est un mythe universel, on va dire. Mais disons que ça s'est cristallisé en Europe, en partie en Europe de l'Est, au XVIIIe siècle, avec ce qu'on a appelé des épidémies vampiriques, qui ont été analysées de très près par... Il y a eu des expéditions scientifiques, il y a eu un certain nombre de témoignages aussi dans la presse. Ça a concerné toute l'Europe, en fait, hein, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, ça prendrait trop de temps, mais disons, l'idée, c'était que des personnages, enfin des individus, étaient trouvés dans leur tombe, encore avec toutes les apparences de la vie, le visage barbouillé de sang, le corps en tout cas. Et donc l'idée, c'était que ces revenants, en quelque sorte revenants encore, hein, comme on baptise le vampire, est appelé un revenant encore, hein, à la différence du spectre qui n'est pas corporel a priori. Donc ces revenants encore revenaient hanter leur famille et causer des dégâts, etc. Donc ça a été un choc important. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il en était. Est-ce que ces gens étaient enterrés vivants, pensant qu'ils étaient en état de catalepsie et qu'en fait ils étaient encore vivants. Les premières figures vampiriques dans la littérature sont plutôt dans la poésie, dans la poésie romantique en particulier, chez Coleridge par exemple. Et donc ce sont des vampires féminines pour l'essentiel. Le premier vampire masculin répertorié, enfin, en littérature j'entends, c'est The Vampire de William Polidori qui était donc le secrétaire et le médecin de Lord Byron. Et comme vous le savez, sans doute, il y a eu une fameuse rencontre l'été 1816 dans la villa de Lord Byron, la villa Diodati, où ils s'ennuyaient un peu parce qu'il pleuvait beaucoup. Et donc, ils ont fait une sorte de concours après avoir lu des nouvelles fantastiques, des nouvelles fantasmagoriana, en fait, des textes autour du spectral et des apparitions, etc., qui étaient plutôt des textes allemands, germaniques. Hein, donc, Lord Byron a proposé de faire un concours à qui écrirait la nouvelle la plus horrifique, etc. Donc, ça a donné lieu à deux importants textes, d'une part évidemment le Frankenstein de Mary Shelley, hein, puisque c'est la seule en fait qui a véritablement gagné ce pari, et d'autre part quand même le texte de William Polidori, donc qui s'appelle The Vampire, qui est une histoire inspirée par un court fragment de Lord Byron qui a quand même écrit quelque chose autour d'une figure vampirique effectivement. Et Polidori l'a repris et l'a développé pour en faire une novella ou un court roman. Et pour la première fois, on trouve un vampire aristocratique, séducteur, etc.
fortement inspiré, en fait, de Lord Byron. Alors, il y a eu tout un procès autour de ça. Bon, je passe les détails. Bon, ça, c'est la première représentation du vampire masculin, du vampire aristocratique, tel qu'il va être codifié ensuite par Bram Stoker et d'autres. Et puis, peut-être, il faut citer quand même aussi, puisqu'on a parlé des vampires femmes, Carmilla de Sheridan Le Fanu, donc, qui est un auteur irlandais, publié de nombreux romans gothiques, entre guillemets. Carmilla est une histoire absolument passionnante. Donc, ça, je crois que c'est publié en 1864, 65, quelque chose comme ça. Et c'est une histoire de femmes vampires, mais c'est aussi une histoire de relations homosexuelles entre deux femmes, en fait, une jeune femme et une femme vampire qui vient la visiter. Et donc, c'est sous couvert, disons, d'une histoire fantastique, une histoire surnaturelle de vampires. Ça aborde aussi cette question du lesbianisme. Voilà. Donc, évidemment, le grand roman vampirique qui met en scène un aristocrate masculin, c'est le Dracula de Bram Stoker en 1897. Et c'est ça qui va, disons, donner lieu ensuite à ce roman-là qui va être adapté à l'écran relativement tôt. Donc, ça, c'est aussi une histoire assez complexe, en fait. Et il faudrait parler aussi, il y a d'autres histoires de vampires à peu près la même année que le Dracula de Stoker, paraît Blood of the Vampire, qui est en fait écrit par une femme, et qui est une histoire de vampires psychiques, parce qu'il y a deux types de vampires, en gros. Et il y a pas mal de nouvelles, et il y a un roman, donc ce roman en particulier, qui évoque aussi cette question du vampire psychique, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de littéralement d'absorber l'énergie des gens qui l'entourent et qui les conduisent à la mort. Voilà, donc ça c'est pour l'histoire du vampire. Après, en termes de cinématographie, l'adaptation de la première adaptation alors il y a une adaptation qui, je crois, polonaise qui a disparu, enfin qui n'existe plus. Mais la première grande adaptation, c'est évidemment Murnau, William Friedrich Murnau, qui adapte le roman de Stoker sous un autre titre, Nosferatu. Nosferatu, Nosferat, qui est l'un des termes utilisés pour définir le vampire folklorique, disons, qui a un rapport avec le diable. Et en fait, il a choisi ce titre pour différentes raisons, mais en particulier pour éviter un procès avec Florence Stoker, la veuve de l'écrivain Bram Stoker. Et donc, d'où la modification du scénario, le changement des noms de personnages, etc., et le changement partiel de l'intrigue. Mais malgré tout, ce film va marquer l'imaginaire aussi et l'histoire du cinéma, parce que Murnau est un très grand réalisateur, et donc on a déjà un certain nombre d'éléments, un certain type de représentation du vampire, qui est un vampire monstrueux et grotesque, et qui n'a absolument rien du vampire séducteur de Polidori, par exemple. Il faudra attendre 1931 et Todd Browning qui redonne cette dimension séductrice au vampire avec le personnage incarné par Bela Lugosi, acteur d'origine hongroise et dont la voix était particulièrement séductrice, effectivement, même s'il parlait anglais avec un fort accent hongrois, donc une dimension exotique aussi qui a pu séduire en particulier un public féminin à l'époque, puisque Bela Lugosi recevait des centaines de lettres d'admirateurs au moment de sa gloire. Voilà. Comment est né justement cet âge d'or du cinéma fantastique à travers tous ces monstres chez Universal ? Oui, alors d'abord, ça commence plus tôt, je veux dire, que l'intérêt pour le fantastique, enfin, le gothique, etc., l'horreur, la terreur, ça commence plus tôt au cinéma, ça commence pratiquement dès les débuts du cinéma. Bon, on sait que Méliès déjà utilise fait des films, disons, qui mettent en scène des personnes, enfin des spectres, des fantômes, des histoires d'apparition, disparition, etc. Mais la première adaptation, par exemple, de Frankenstein, c'est 1910. Donc, c'est beaucoup plus tôt qu'Universal. Donc, il y a déjà cette idée d'utiliser le potentiel spectaculaire de ces histoires
pour justement séduire le spectateur, ou attirer le spectateur, et on va en faire la promotion de différentes manières. Pour Jekyll et Hyde, c'est 1908, c'est pareil. L'enjeu, c'était par exemple comment passer de Jekyll à Hyde, donc avec les effets spéciaux extrêmement rudimentaires de l'époque. Donc on enregistre une scène, on la monte à l'envers, donc ça donne l'impression effectivement d'une transformation à vue, entre guillemets, bien avant les effets spéciaux modernes. Je crois que c'est effectivement ce... Alors, il y a eu plusieurs aspects, mais disons que d'abord, ça a commencé souvent par le théâtre, c'est-à-dire qu'il y a une adaptation théâtrale à Broadway qui a un grand succès. Je parle pour Dracula en particulier. Et donc, c'est cette adaptation théâtrale qui convainc en quelque sorte les producteurs de mettre en scène ces créatures fantastiques à l'écran. Et comme le Dracula, Tom Browning va avoir un grand succès populaire, avec en plus, on fait en sorte de, encore une fois, de préparer le spectateur au pire. Évidemment, c'est ce qui séduit le spectateur. Il y a un prologue dans le film où on nous dit attention, vous allez voir des choses terrifiantes, etc. On met des ambulances dans un parking à côté des cinémas pour prévoir éventuellement les femmes qui s'évanouiraient ou des spectatrices ou spectateurs qui s'évanouiraient. Donc on fait tout pour attirer le public. Il y a ce qu'on appelle les affiches de films, etc. Qui mettent en évidence cette dimension horrifique, dans le cas du vampire par exemple. Donc je crois que c'est un moment où il y a une sorte de conjonction qui fait que la plupart des studios, mais pas, en particulier Universal, qui n'est pas un grand studio, qui est un petit studio, va donc utiliser ces histoires gothiques qui viennent d'Europe en fait, pour l'essentiel, pour le faire partager, enfin, faire découvrir cet imaginaire au public des films hollywoodiens. Je n'ai pas encore évoqué l'un des principaux monstres, c'est la créature de Frankenstein. Donc là, on sait que l'origine littéraire, c'est Mary Shelley, donc publié, première publication en 1818 et ensuite en 1831 où elle se réapproprie son œuvre qui avait été en partie... Enfin, on avait considéré que ça pouvait être son mari, Shelley, donc le poète Shelley, qui était à l'origine, en partie au moins, de son roman. Et elle se réapproprie son roman en faisant une préface en 1831, en disant « Non, c'est bien moi qui écris ce roman, etc. » Et donc là aussi, ça passe par le théâtre. Donc, je veux dire, la pièce, pardon, le roman va être adapté relativement rapidement au théâtre pendant une partie du 19e. Et puis, c'est repris au théâtre, dans les années 30. Et suite au succès de Dracula, mais l'Universal va proposer aussi de faire Frankenstein avec un autre réalisateur qui est un des réalisateurs vedettes du studio à l'époque, James Whale. Bela Lugosi est pressenti pour le rôle, mais il va le refuser, ce qui va être une grande erreur pour sa carrière, parce que le monstre ne parle pas, contrairement au monstre très éloquent du roman de Mary Shelley. Le monstre cinéma ne parle pas, du moins ne parle pas dans un premier temps, ça va évoluer par la suite. En tout cas, dans le premier film, il est muet. Et donc Bela Lugosi, d'une part, n'aimait pas cette idée de ne pas avoir de texte à lire, puisque c'était l'une de ses armes de séduction, en quelque sorte, de pouvoir délivrer son texte. Et d'autre part, il n'aimait pas l'idée d'avoir à subir un maquillage de plusieurs heures pour la créature, puisque Jack Pierce, le créateur du masque, effectivement, qui va être sous contrat ensuite, ça a été, disons, relativement pénible, pour ne pas dire un supplice pour Boris Karloff, qui va finalement incarner le rôle de la créature. Magnifique. Au moins plusieurs heures de maquillage par jour. Tout à fait. Il va également incarner la momie, hein. Quelques années plus tard. Alors, Boris Karloff va également incarner la momie. C'est un autre réalisateur qui au départ est plutôt un chef opérateur très connu, Karl Freund, qui va réaliser ce film-là.
Avec effectivement Boris Karloff et une histoire de métempsychose, de retour d'un prêtre en fait qui a commis un sacrilège et qui a été enterré vivant et qui revient donc par le biais d'une, et donc il y a une scène d'ouverture extraordinaire dans ce film, je raconte pas, mais où l'archéologue qui par mégarde disons lit la formule qui va faire revenir la momie d'entre les morts devient fou. Donc cette idée de la folie aussi face à l'étrangeté, face à l'horreur, etc. C'est quelque chose. Et donc c'est assez saisissant, en particulier dans ce film-là. Donc effectivement c'est un des grands films de la période. Pour revenir quand même au Frankenstein, ce qui est intéressant dans le Frankenstein de James Whale, d'abord c'est qu'on ne peut pas parler que de Frankenstein, il faut aussi parler de la fiancée de Frankenstein qui vient 4 ans plus tard. Et qui réintroduit donc un élément qui n'est jamais en fait développé dans le roman, l'idée de la création d'une compagne pour le monstre, hein, que le monstre dans le roman réclame une compagne à son créateur, et le créateur accepte dans un premier temps, et puis finalement détruit la créature féminine sous les yeux du monstre qui évidemment va se venger ensuite. Et au cinéma, James Whale a l'idée, enfin son scénariste a l'idée de justement d'actualiser en quelque sorte hein, cette créature et de faire effectivement une créature femelle monstrueuse et qui en fait sera détruite aussi très rapidement à la fin du film par le monstre lui-même. En tout cas, c'est cette idée, et donc la différence entre le premier et le second, c'est que le second film réintroduit le roman de Mary Shelley dans un prologue, en fait, où on voit Mary Shelley discuter avec Byron et Shelley, justement, d'une éventuelle suite à son roman. Et la suite de son roman, ben, c'est évidemment le second film. C'est Mary Shelley qui décrit, en fait, la fin du premier film et le début du second. Donc, en fait, James Whale et Hollywood se réapproprient le roman de Mary Shelley au cinéma. Et comme si, en quelque sorte, le film précédait presque le roman, en tout cas était associé étroitement au roman. Thank you.